je me suis inspiré de cet esprit poétique de Toulouse en ce qui concerne sa couleur, pour penser qu'en fait, il pouvait y avoir des montagnes, des carrières d'ocre. En quelque sorte, c'est un espèce d'hommage que j'ai voulu rendre à Toulouse, à sa couleur, à ses monts qui entourent Toulouse. J'ai imaginé, ces carrières d'ocre. Pour moi, c'était un aspect minéral de la ville, un aspect minéral. Finalement, je me suis aperçu qu'en fait, ces 70 mètres carrés qui sont travaillés peut-être plus finement que justement les mosaïques immenses amènent à repenser à nouveau encore la mosaïque avec des problématiques qui sont pour ces 70 mètres carrés qui finalement sont assez grands en fait, parce que dans l'échelle de la station, c'est quand même une très grande fresque. Le fait de se déplacer successivement à travers des œuvres différentes donne une idée, une espèce de panorama de l'art contemporain, de l'art vivant, qui est absolument unique. L'idée que j'ai eue, moi, à la station Bellefontaine, c'est d'essayer dans cette station sensible de retrouver une beauté et de redonner un espoir pictural. J'espère pouvoir donner à ceux qui vont entrer dans cette station une joie, une retrouvaille joyeuse avec la couleur, avec la nature et avec le bruit de l'eau, le rapport à la beauté du monde.